Yeah.
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Thank you.
douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Une promesse qui se réalise dans
moi selon ta parole. C'est la réponse de la Vierge Marie, sans savoir comment cela va-t-il se faire. Elle a posé la question à l'ange, mais l'ange ne lui a pas dit quand est-ce que, où elle va accoucher. Cependant, Dieu fait son chemin. Dieu trace lui-même son chemin. Il ne fait que nous mettre sur la route. C'est ce qu'on appelle abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Le oui de Marie n'est pas nourri comme nous les hommes, comme nous disons oui, après changeons d'idée ou finalement, que ça ne fait pas fait comme ça. Marie a dit oui à Dieu, il a dit oui avec une scène. De l'exemple de Marie, nous pouvons souligner que la lignée d'Avitique, la lignée de l'Alliance, c'est Joseph. Donc, Joseph a joué un rôle extraordinaire en acceptant Marie, en acceptant aussi de prendre soin d'elle. Puisque Joseph était charpentier, il s'est débrouillé pour que Marie puisse accoucher. Plus ou moins dans le droit des conditions. Tout cela était dans le nom de Dieu. Au milieu de nulle part, cette année, au lieu de faire la crèche à l'intérieur de l'église, nous l'avons mise plutôt dans le jardin de l'église. Un lieu qui nous semble approprié puisque ça nous semble un lieu de nulle part. Mais cette crèche aussi est une personne, le sauveur du monde, son humilité, son abaissement, et ceci à quoi nous sommes appelés à vivre et à transmettre. L'humilité de Marie, l'humilité de Dieu. Comment Dieu est capable de rentrer dans notre monde sans venir prendre un scandale public, on peut dire, sans prix. Il est venu, il est rentré. Et c'est lui qui a annoncé sa venue. C'est lui aussi qui a évité les bergers. C'est lui aussi qui va annoncer aussi les scientifiques. Mais pour nous, ce soir, il est question de cœur. Est-ce que nous avons un cœur pour dire oui à Dieu? Oui dans le service de l'Église. Oui dans le service de la société. Une société plus juste, une société capable d'aider, une société fraternelle, une société où l'un puisse veiller sur l'autre, une société, peut-être que ce soir, nous allons faire attention en nous serons sur la route, une société dans laquelle, là où nous serons éviter, que nous n'allons pas voir, et apprendre à être la route, en mettant notre vie et la vie des autres en danger. Le oui de Marie, et est responsable de ses actes. Ainsi que chacun de nous, nous aimons la vie, puisque la vie est le nom de Dieu. Soyons tous responsables les uns des autres. La vie n'a pas de prix. Et Dieu a donné son Fils pour nous racheter. Et la venue de notre Seigneur, c'est pour nous apprendre à nous aimer et à nous pardonner. Noël, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la famille. C'est la fête du partage, c'est la fête du vivre ensemble. Alors, essayons de faire de notre mieux que cette nuit de Noël soit vraiment vécue dans la paix et la sérénité. La vie, elle est fragile, mais elle est belle, parce qu'elle est un cadeau de Dieu, qui est précieux. Alors, c'est à nous de recevoir l'enfant de Jésus dans nos cœurs. Et en le recevant, nous pouvons le transmettre. Parce que ce qu'il nous donne, c'est de l'amour. Donc l'amour ne tue pas, l'amour ne blasphème pas, l'amour ne prend pas de risque. Donc essayons de faire de notre mieux pour que cette vie de Noël, que nous célébrons de la joie, de la venue de notre Seigneur, puisse changer notre vie, puisse changer notre manière de vivre, puisse changer notre façon de parler aux autres, nos paroles,
nos actes, que nous soyons capables d'imiter le Christ dans son humilité, Dieu parmi les hommes et Dieu qui s'efface au milieu des hommes. Soyons des personnes capables de s'effacer. Nous n'avons pas tous besoin d'être sur les projecteurs, puisque Dieu est venu pour être sur la croix, non pas sur les projecteurs. Il est venu pour donner sa vie. Et cette vie-là, il a donné pour chacun. Alors que la paix du Seigneur, que la Vierge Marie, qui nous a donné, qui a tenu et qui a tenu sa parole, puisse nous apprendre aussi à dire dans l'engagement que nous avons les uns envers les autres. Que ce soit dans la société, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, dans l'église, que chacun de nous puisse être responsable. Et tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour et respect. Aimons-nous les uns les autres. Vivons les uns avec les autres dans le respect. Et Dieu nous donnera en plénitude l'amour qu'il vient nous apporter, nous étendre en multitude, étendue l'amour sur la terre. Que chacun de nous puisse partir avec ce vrai amour et de le partager chez lui dans la joie et la fraternité dès maintenant et pour les siècles des siècles. L'Assemblée pour célébrer cette nuit du Seigneur, disons notre foi avec le Saint-Jean-Claude de Lycée et Constantinople, et nous nous arrêtons un peu, nous nous arrêtons, il a pris cher de la Vierge Marie et ses vêtements, nous prenons un moment de silence. Je crois en un seul Dieu. De l'univers visible et invisible, je crois en le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père à l'homme blessé, il est Dieu, lumière de l'éternité, vrai Dieu et béni du vrai Dieu. Dans son pays, on a prié, Dieu de la paix et par lui de la paix. Pour qu'on les offre avec notre Saint, il est en vue du ciel. Par les instants, il a la chair et la Vierge. Entends notre prière. Amen.
Seigneur, nous te prions pour que des gestes d'amitié, de solidarité et de partage se multiplient à leur égard. Que la présence de l'enfant Jésus leur permette de vivre l'espérance et la foi en une vie meilleure. Ô Emmanuel, écoute et prends pitié. Thank you.
mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le monde. Thank you.
encore si c'est l'heure de professionnels qui se sont endormis à l'espérance de la réflexion, plus particulièrement dans les instrumentés de la route. Et sur les points dans les miséricordes de tous les défunts, accueillez la lumière de vos visages. Sur vos entrées, Seigneur, nous savons que la bonté sur chaque de ici présent, pour toutes les personnes malades, les difficultés pour les familles en deuil, pour toutes les familles qui sont de la réaction dans notre paroisse, pour qu'il y ait un chien dans notre repos, pour des conforts, une sérénité, de la nouvelle de la protection. Toutes les ventes de notre monde, la mère avec la Vierge Marie, la mère ordinaire de Dieu, avec Saint Joseph, son épouse et ses amours et tous les saints, qui ont fait la joie au monde des âges, nous ayons pas à la vie et que nous chantions sur la branche de la gloire, par contre, si Jésus. Thank you.
heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas la vie. Thank you.
pour que le Saint-Père et le Saint des Vénances, ils vous unissent à l'Église du ciel. Merci.